Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le récapitulatif de l'ONU du 23 mars 2024. Tout d'abord, nous vous rappelons qu'il est indispensable de placer vos panneaux à votre iPhone avec vos nouvelles coordonnées de construction. Concernant les nouveautés inter-serveurs, un nouveau wiki a fait son apparition. Nous vous invitons à aller le regarder. Edora est sorti. Également, avec cette mise à jour, un nouveau missile est sorti, le T5 missile Endbringer. Concernant toujours les missiles, le thermobarique, qui était un missile T2, passe en missile T3. Désormais, le slash spawn sur les dimensions vous fait retourner au spawn des dimensions. Pour retourner sur Terre, il vous faut une fusée ou dépenser 30 de power via le NPC au spawn de la dimension. Également, un système de R&D, recherche et développement, est apparu dans les pays. Effectuer les recherches permet de débloquer pas mal de choses utiles pour votre aventure. Membre max, coffre de pays, catalogue Westeros, etc. Énormément d'items qui viennent surtout du mode Galacticraft ont subi une mise à jour graphique telle que la fusée ou les plaques de minerai par exemple. Également, une promotion de 25% sur la boutique pour les grades Premium et Légende a été mise en place pour fêter Edora. Vous aviez jusqu'au 24 mars. Si vous désirez voir la mise à jour en détail, n'hésitez pas à vous rendre sur l'annonce ou directement sur le nouveau wiki. Concernant les nouveautés Orange, la zone du spawn est passée en mode printemps. Également, les résultats du concours Alias seront disponibles dès ce week-end. Concernant les promotions en départ, nous pouvons féliciter Mao Ampa qui passe journaliste. Dans la justice, remercier Greenfight et Airgame pour leur travail en tant que huissier. Chez les Néovores, on peut féliciter Dono15 qui passe brave. Et dans le staff, féliciter Teddy27600 qui passe modérateur test. Toto le rigolo qui passe modérateur confirmé. Et on peut remercier Airgame39 pour son travail en tant que modérateur plus. Et Lincroix pour son travail en tant que modérateur. C'était Inuf. Je vous remercie de votre écoute et à la semaine prochaine.